Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent du site l'informatique.com. Je vous propose dans cette nouvelle vidéo d'apprendre à créer des dossiers sur votre ordinateur dans les dossiers soit documents, soit images, soit musique, vidéo ou téléchargement. N'hésitez pas à revoir les vidéos précédentes sur comment créer un dossier sur le bureau ou comment créer un dossier sur une clé USB. Donc, je vais travailler dans mon dossier Mes documents, mais le principe de base sera le même si vous travaillez dans les dossiers Images, Musique, Vidéo ou Téléchargement. Donc ici, je vais aller ouvrir mon dossier Documents. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Donc je vais l'ouvrir en grand. Comme ça, on va mieux voir ce qui se passe. Alors ici, on va créer notre premier dossier. Donc, première solution pour créer un dossier. On va faire un clic droit. On va venir sur Nouveau. Nouveau dossier. Et par exemple, je vais l'appeler la scène. Alors, on va continuer sur les fleuves français. On va créer un nouveau dossier, mais d'une autre façon. Donc là, on va venir sur Nouveau, Nouveau dossier, et on va l'appeler le Rhône. Alors, pour mieux voir ce qu'on fait, on peut peut-être afficher mes icônes plus grandes. Donc, je peux aller dans le menu Afficher. Très grandes icônes. Je continue. On va créer un nouveau dossier, par exemple la Loire, d'une autre manière encore. Donc, vous vous rappelez, on avait déjà, dans une leçon précédente, créé un dossier via un raccourci clavier. On va le réutiliser. Donc, on va utiliser la touche CTRL majuscule plus N. Maintenant, je vais l'appeler la Loire. Je vais créer encore un autre dossier, le Rhin. Donc, allez, moi j'aime bien les raccourcis clavier, CTRL, SHIFT, N. Et là, on va l'appeler le Rhin. CTRL, SHIFT, N. Un dossier la Dordogne. Et puis un dernier, un dossier qu'on va appeler les fleuves. Donc CTRL SHIFT N, les fleuves. Alors, je peux les regrouper tous. Donc, je vais cliquer sur mon premier dossier et je vais venir appuyer sur la touche Shift jusqu'au Rhône. Donc, mes différents dossiers, la Dordogne, la Loire, la Seine, le Rhin et le Rhône sont sélectionnés. Donc, je vais cliquer sur l'un des dossiers sélectionnés et je vais le déplacer vers les fleuves. Voilà. Alors ici, je vais réduire ma fenêtre et je vais la mettre dans la barre des tâches. Donc ici, je vais appuyer sur le bouton réduire. Donc je reviens sur le bureau. Maintenant, je vais lancer mon logiciel WordPad. Donc je vais venir sur ici, rechercher. On va taper WordPad. Je clique dessus. Et ici, je vais taper le texte, par exemple, le Rhône est un fleuve d'Europe long de 812 km. Le Rhône est un fleuve d'Europe long de 812 km. Point.
Alors, ce texte, on va l'enregistrer dans notre dossier document, dans le dossier fleuve, dans le dossier Rhône. Donc, c'est parti. Donc là, je vais aller dans le menu Fichier, Enregistrer sous. Là, je vais aller dans le dossier document. Je viens dans mon dossier Les fleuves. Ici, le Rhône. Et là, je vais l'appeler fleuve. Fleuve le Rhône. Enregistrer. Alors, ne vous inquiétez pas ici. Hop, je ferme. Je ferme. Je retourne sur mon explorateur de fichiers. Ici, si je viens dans le dossier Les fleuves, le Rhône. Et ici, j'ai bien fleuve le Rhône. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.